effet, la marque, la filiale de la marque Dior se retrouve en procès. En effet, c'est un fait. J'ai tellement fait un saut en découvrant ça. Donc, on a ici Dior qui se retrouve, la filiale de Dior qui se retrouve en contrôle judiciaire pour travail, abus de travail concernant leurs employés. Donc, en tant que tel, eux autres disaient que leurs produits de luxe que vous achetez, parce que vous achetez le luxe, ils sont faits directement, sont faits en Europe, sont faits directement à Milan, dans les ateliers. En tant que tel, on découvre que non. C'est fait dans les pays du tiers, les mêmes pays que vous savez qu'on a pu mettre l'emphase sur les Shein, sur les AliExpress, les Temu, tout ce que j'en parle, les mêmes usines. Et on disait qu'il ne faut pas encourager les petites usines, il faut encourager les grandes compagnies qui sont reconnues, qui traitent mieux leurs employés. Mais là, on découvre que, imaginez que les grandes entreprises qu'on dépense beaucoup plus d'argent, ils sont encore plus coupables que les petits. La différence, les petits, ils vous font payer le prix accessible à tous. Ils vous donnent l'accès à, ils nous donnent l'accès à tous pour le prix qu'ils le mettent, alors que les grands, ils vont le mettre à, vous allez dépenser près de 1 000 $, de 800 et quelques euros pour un article qui, en vrai, l'article vaut peut-être un 10 €, un 5 €, et encore moins avec la main-d'œuvre pour les travailleurs. Donc, c'est quand même un dossier très sérieux qu'on regarde là. Ça change complètement l'éthique de la haute couture et de la mode de luxe. Et ça remet aussi, je pense que ça va remettre, ça va changer, ça risque de faire un changement complet concernant, parce que vous savez, beaucoup de personnes qui se réconfortaient d'acheter des choses de luxe en se disant qu'ils peuvent le revendre. Mais là, en se rendant compte que les choses de luxe, finalement, c'est la même qualité ou c'est fait la même façon que le fast fashion, mais à quel point que tu vas pouvoir réellement le revendre? Et peux-tu réellement le revendre? Donc, aussi, je suis un peu surprise de certaines... Ben, je ne suis pas surprise. Je sais que beaucoup de réactions, beaucoup de... On dénonce le fast fashion, l'hypocrisie de ça. Moi, j'appelle ça l'hypocrisie de ça. Et puis, malgré qu'on disait que les mêmes entreprises, les mêmes manufactures qui font, qui produisent le tout, c'est aussi eux autres qui produisent... Ils produisent aussi pour les grandes marques. La différence, ils mettent le logo. Donc, on paye pour le logo. On achète la marque, on achète Dior, le nom Dior qu'on achète. Mais la qualité revient au même. Et beaucoup disaient, mais non, mais parce que c'est la qualité quand même. Non, c'est question de leur marketing qu'ils ont fait. Comme on peut le voir, on ne va rien enlever à leur marketing. C'est le marketing qu'ils ont fait qui impose le tout. Donc, ils ont fait quand même un marketing qui fait qu'ils peuvent se placer. Donc voilà donc l'importance du marketing dans votre produit. Comment vous décidez de présenter votre produit qui va vous donner le prix que vous voulez donner. Et c'est l'exemple parfait. Et en tant que tel, je vois aussi qu'il n'y a pas juste Dior aussi qui est dans le contrôle judiciaire. Un instant. On n'a pas juste Dior, on a aussi la marque Armani. C'est quand même deux grandes marques connues. Comment ils vont être capables, comment ils vont être en mesure de revenir sur ça ou de pouvoir, pas que revenir sur ça, mais ils vont être capables, en tant que tel, le truc, il faut se dire, comment ils vont être en mesure de rattraper le coup. Est-ce que leurs prix vont chuter? Parce qu'avec un expose comme ça, est-ce que leurs prix vont chuter? Je vois peu de personnes en parlent. Je pense qu'on devrait en parler. On dénonce, on est dans l'année des exposes. Ici, sur la Doha, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est l'année des exposes. Peut-être vous allez trouver qu'il y a trop de vidéos qui arrivent rapidement, mais il y a tellement d'exposes d'un peu partout. Et Doha ne peut pas être là partout. Il y a tellement d'exposes qui se font, qui débattent des images de tout, qui tombent, qui sont dans la lumière. Ce qui a été fait dans l'obscurité est exposé, que c'est fou. Donc, ça change complètement la vision et la façon d'être de beaucoup de choses. Et c'est vraiment sur ce point que je voulais aller. Donc, c'est à suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Actuellement, il y a le contrôle qui est fait. Donc, ils vont devoir prouver des choses. Donc, ils ont des preuves que les employés sont sous-traités. Il y a la sous-traitance qu'ils prennent sont sous-traités. Et ce n'est pas des main-d'œuvre. Ce n'est pas la sous-traitance d'Europe. C'est vraiment la sous-traitance dans les pays sous-développés du tiers-monde. Et donc, on sait que les salaires sont les mêmes. Ça serait la même chose, finalement,
que d'aller acheter du AliExpress. Et puis quand vous regardez la plateforme AliExpress, peut-être c'est eux autres qui ont vraiment exposé tout ça. Eux autres, c'est plusieurs petits, ils sont plusieurs ateliers. Et donc, dans les ateliers, ils prennent des contrats. Donc, si Nike, par exemple, décide de donner un contrat, ils vont le prendre. Ils ont encore, mais ils vont garder le même logo, ils vont garder le même modèle, le même croquis qu'ils peuvent le faire sans la marque. Donc, beaucoup de personnes, suite à ça, se disaient, pourquoi acheter à 800$ un petit sac d'épicerie alors que je peux l'acheter pour 4€? Et c'est avec l'inflation de la vie et tout ça, est-ce que c'est bête de réfléchir comme ça? Pas du tout. Donc, ça change la mode, ça change la vision de la mode. Et puis, tous ceux qui venaient cracher sur le fast fashion, pourquoi il ne faut pas dépenser, il faut arrêter de consommer dans le fast fashion, aller consommer dans les grandes compagnies qui, eux autres, nous font payer beaucoup plus cher, mais pour les mêmes produits de fast fashion, on va faire payer pour la marque. Donc, c'est entre les deux. Donc là, ça peut être un long débat. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un petit œil face à ça. Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant? Et oui, que vous aimez la mode de luxe, je ne vous dis pas de ne pas continuer d'encourager votre mode de luxe et de vous faire plaisir en faisant plaisir aux marques. Surtout maintenant, je pense qu'ils vont avoir besoin de votre argent. Donc, just saying, so c'est le moment de les encourager. Et aussi, qu'est-ce qui est sérieux dans tout le contrôle? Il y a des travailleurs sans papier logés dans des dortoirs au sein d'ateliers chinois qui fournissent les marques Dior et Armani. Donc, c'est-à-dire que, on dénonce beaucoup, vous savez, les Occidentaux, ils dénoncent les immigrants, ils dénoncent qu'ils font du travail et tout, mais ils bénéficient de cette main-d'œuvre. Au contraire, ils les font même venir pour des... Ils viennent, ils ont aucun service, donc ils sont sans papier, on le dit. Ils sont exposés là. Et puis ils les mettent dans des dortoirs tout ensemble, c'est-à-dire des fois ils peuvent se retrouver 30, 40 personnes dans le même dortoir et de toute façon il y a des rotations à longueur de journée pour faire leurs produits. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire eux autres, ils vont même chercher les travailleurs et les faire travailler dans des conditions que vous le savez, c'est tout sauf gentil. Et puis, avec des payes qu'ils ne peuvent pas négocier. Donc, ils sont payés avec des salaires tellement minces, mais le fait qu'ils sont venus travailler en Europe, parce que vous savez, beaucoup en Occident, beaucoup dans les pays, ils veulent venir travailler. Ils veulent l'Europe pour essayer de gagner leur vie, apporter un peu d'argent pour leur famille. Mais avec les petits salaires qu'on va les donner, la plupart du temps, ils vont juste faire des envois à leur pays. Mais ils vivent très modestement, très difficilement, mais ils restent dans les ateliers. Ils n'ont même pas le contact avec vraiment le monde. Ils sont en Occident, mais ils n'ont pas le contact avec le monde extérieur, excepté dans leur petit dortoir, dans leur petite communauté. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc, on les accuse de ça directement. Et aussi, on va regarder d'autres points de vue, parce qu'il y a je vais faire une petite parenthèse. Donc, ici, en 2018, il y a l'ironie de la vie. En 2018, on se rappelle, il y avait eu le procès, les grandes marques de luxe, dont Dior en particulier, parce que c'est la Dior justement qui avait fait la plainte officielle envers le groupe Zara. Parce qu'on sait que Zara, c'est la mode de luxe, mais pour les poches normales, pour les gens comme vous et moi qui travaillent, qui peuvent se permettre du Zara. Et puis ils reprennent un peu les mêmes trucs que le luxe, mais en moins cher. Les mêmes trucs, les mêmes choses, les mêmes effets, les mêmes articles, oui, on va le dire comme ça. Il y avait le procès qui avait été fait contre Zara pour dire qu'ils imitent les marques de luxe, mais ils vendent moins cher en 2018. L'audace de ça! Là, Zara, ils se retrouvaient en train de se défendre dans leur procès, en train de dire que voici, on est légitime, et que Zara, ils ont été capables de prouver que leur atelier était... Ils avaient leur atelier sur place, qu'ils traitaient bien leur monde et tout, et que oui, les modèles qu'ils utilisent, c'est comme... Il n'y a rien de nouveau, tout a déjà été fait et puis ils sont capables de le vendre à tel prix. Ah, ils sont en train de se justifier et ils ont gagné leur défense. Eh oui, 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 on se rappelle de ça, guys. C'est un retour que je vous fais. Voici même les liens, vous allez pouvoir voir le tout. Ouais, faites des recherches. Okay. Donc là maintenant, moi pourquoi je voulais parler de ça? Parce que l'ironie de ça. Ah, je l'appelle la vie est un tournant. Là maintenant, on se retrouve en 2024. Et qui est exposé pour un contrôle judiciaire, qui est exposé pour
abuser de ces travailleurs, d'entretenir des migrants illégaux, sans papier, de maltraitance de sa sous-traitance. Ils les mettent toutes dans un dortoir et puis je pense pas qu'ils les mettent ils sont dans un dortoir de luxe. Qui est accusé de tout ça? Dior. Amani. Je sais pas, c'est peut-être un son que je voulais faire. Hein. Ah, je vais commencer à faire la musique. Mais bref, guys, l'ironie. C'est quoi quand j'ai regardé ça? J'ai vu le passé, je me suis dit, ça me rappelle, il y avait un groupe de luxueux, de designers qui avait aussi fait une plainte contre quelqu'un. Bon, je me disais, est-ce que c'est H&M? Et puis là, ça m'est revenu. Et là, il fallait que je mette un lien. Au début, j'ai dit, est-ce que je fais deux vidéos, c'est pareil pour le faire? Je dis, non, maintenant, on rejoint tout le tout ensemble. Et c'est chez la Doua, là, it's about everything. Et puis on est là, on regarde, on essaie d'être à jour. Là, on était à Milan, j'ai vu cet effet-là, j'ai fait... Ben, l'audace de ça, c'est-à-dire que eux se sentaient menacés à l'époque par Zara. Ils voulaient les éliminer parce que Zara venait toucher une clientèle de tout le monde avec leur modèle. Ça n'a pas trop marché. Et là, maintenant, c'est eux autres qui se font exposer. Parce que c'est l'année 2024, qu'est-ce que je vous ai dit? Non, donc vous pouvez l'écrire maintenant dans les commentaires. L'année 2024, oui, de moi, on a compris, c'est l'année des exposés. Peut-être 2025, ça va être quelque chose d'autre, mais l'année 2024, actuellement, tout ce qu'on fait, c'est exposer des choses. Qui aurait cru? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous attendez à ce que Dior et Armani soient exposés sur son contrôle judiciaire? C'est-à-dire la marque de luxe. On voit les gens qui regardent les gens de haut. On voit les gens qui sont prêts à se vendre, qui sont prêts à vendre leur âme pour avoir un article de Dior ou d'Armani dans le luxe. Et quand on dit que Dior et Armani, mais ça va toucher toutes les autres marques maintenant. Un contrôle va être fait dans toutes les autres grosses marques. Donc là, imagine tout le monde qui était prêt à se mettre en sang et à vendre. Il y en a qui ont fait du porta-party, il y en a qui ont fait tout ce que vous imaginez pour avoir des articles de luxe pour montrer qu'ils ont réussi leur vie. Et là, puis ils se rendent compte que ces articles qu'ils ont faits, ils ont donné leur âme. Mais on trouve la même qualité, on peut trouver dans... Il faut juste trouver les bons commerçants et puis on peut trouver la même qualité dans les autres commerçants. Et moi, je m'imagine pour vous, là, ceux qui avaient donné votre âme pour ça, essayez de négocier pour rechercher votre âme à nouveau. Négocier pour reprendre votre âme. En plus, j'imagine le monde qui disait, ah, mais moi, c'est le monde achète des choses de luxe parce qu'on peut le revendre. Mais la revente des articles à ce coût-là, et puis avec cette expose-là, dites-vous que ça vient de job. Est-ce que vous réalisez, c'est-à-dire investissez. Si vous avez de l'argent, n'allez pas investir dans la marque comme ça pour penser le revendre. Allez investir dans l'immobilier ou dans d'autres choses, dans des commerces, dans d'autres choses. Parce que ce n'est pas les marques que vous allez revendre. Parce que là, avec ce scandale-là, ça vient de job. Et je vois les médias, on ne parle pas. Pourquoi vous n'en parlez pas? Ils font parler les personnes, regarder puis exposer ça. C'est-à-dire que vous allez continuer, laisser les gens continuer d'entretenir ça sans savoir le drama qu'il y a derrière. Ah! Mais en fait, moi ici, je suis la Doua, je suis là pour regarder un petit peu de tout, comme vous le voyez. N'hésitez pas de mettre un petit like de support, les commentaires. Et aussi, vous pouvez même faire des dons à la chaîne. Ça fait toujours plaisir, regardez. Eh, je vous dis comme ça, ok. Mais sur ce, on se voit au prochain.